Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons aujourd'hui faire un petit travail au niveau du chakra de la gorge. Donc pour à la fois stimuler la thyroïde, mais ce travail, alors donc pour tous les problèmes de thyroïde, ça sera excellent, mais ça sera aussi excellent pour tous les gens qui ont des acouphènes. Donc cette petite pratique aura donc plusieurs bénéfices, travailler le chakra de la gorge, mais souvent les acouphènes sont très liés, si vous voulez, bien sûr aux oreilles, mais à la mâchoire, à la gorge, à des tensions dans la nuque. Donc en travaillant le chakra de la gorge, on travaille sur la thyroïde et les glandes parathyroïdes, mais on travaille aussi pour les oreilles et détendre toute cette partie du corps. Donc, je vous conseille cette pratique. Qui est bonne pour voilà, pour tout ça. Donc le premier petit exercice que nous allons faire, vous allez vous concentrer sur le bout de votre nez et nous allons faire des petits cercles dans le sens que vous voulez. Devant soi, on dessine sur un tableau là devant nous, on peut fermer les yeux et on va essayer d'agrandir un petit peu les cercles. Ne le faites pas trop rapide, faites-le tranquillement, vraiment. En conscience, on essaye d'aller d'agrandir encore, mais sans forcer. Peut-être vous allez entendre des petits bruits dans votre nuque, c'est normal. Et on va le faire dans l'autre sens. Donc, d'abord, on démarre par les grands cercles, puis on les fait de plus en plus réduits. Jusqu'à dessiner des tout petits cercles avec le bout du nez. Relâchez. Essayez de bien relâcher chez le haut de vos trapèzes, le haut du dos, les trapèzes, les épaules. Vous allez prendre le pouce, pas le pouce, le majeur et l'index, et vous allez les glisser. Un doigt devant l'oreille, un doigt derrière l'oreille. Les autres doigts, vous en occupez pas, vous les laissez libres et on va frotter. On va stimuler là des points d'acupuncture qui sont liés au méridien, je ne sais plus si c'est triple réchauffeur, en tout cas c'est les oreilles, c'est très lié au méridien des reins et cela peut concerner des peurs. Cela peut être lié à du stress, un dérèglement de la thyroïde aussi d'ailleurs, hein. Un choc émotionnel, des peurs. Faites-le un peu plus fort. Et voilà. Donc oui, je disais le stress engendré par des peurs, une hyper, enfin, trop de choses à faire. Tout ça, ça peut nous dérégler au niveau et des oreilles et de la thyroïde, hein. Donc cet échauffement est bon puisque ça travaille aussi sur les reins. On va maintenant ouvrir la bouche le plus grand possible, mais lentement. On va tenir la bouche très très grande ouverte pour bien travailler au niveau des mâchoires et donc ça stimule aussi au niveau des oreilles. Et ensuite, on refermera lentement. Donc, on y va. Et on referme doucement. Quand la bouche est le plus grand ouverte, on compte jusqu'à 10. On tient la posture jusqu'à 10. On le refait. Encore une fois. Soufflez bien. Inspirez à fond.
Expirez à fond. Amenez du calme et de la détente dans votre vie va aussi, hein, être bénéfique. La respiration pourrait vous y aider. Les méditations guidées que je propose sur ma chaîne YouTube, anti-stress par exemple, peuvent, je vous en mettrai quelques liens en dessous cette vidéo pour prendre des petits moments vraiment de, où on se pose, arrêter de se stresser, se ralentir, ça va vous faire du bien. On va maintenant travailler un petit peu la nuque. Vous allez, avec le menton, tourner la tête vers l'épaule droite, lentement. On reste le temps de compter jusqu'à 10. On revient tout doucement. Et on va tourner la tête à gauche, le menton vers l'épaule gauche. On reste, on respire dans la posture. On compte jusqu'à 10. Revenez tout doucement. Soufflez bien. Faites un petit nom de la tête. Pourriez-vous vous interroger si vous avez des acouphènes ou des problèmes de thyroïde? À quoi dans votre vie vous avez envie de dire non? Et à quoi vous ne pouvez peut-être pas dire non? À quoi vous devriez peut-être dire non? Relâchez, respirez profondément. On allonge, on allonge, on allonge le souffle. Et on expire lentement. Vous allez maintenant faire un petit oui de la tête, tout petit. Et peut-être vous pourrez tout à l'heure vous interroger sur à quoi est-ce que je devrais dire oui? Ou à quoi est-ce que j'ai envie de dire oui? À quoi mon corps a-t-il envie que je dise oui? Relâchez. On va. Vous savez, quand on fait la moue, on avance un peu la bouche comme ça. Là, on va faire ça, mais on va tourner la bouche dans le sens que vous voulez. On tourne le menton, on va. Dans l'autre sens. Encore, dans l'autre sens. Peut-être vous entendez des petits bruits dans les oreilles, c'est possible, hein? Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est normal. Soufflez profondément. Toujours avec la bouche et la mâchoire, on va envoyer la mâchoire à droite, puis à gauche. Allez, on va à droite et à gauche. Tranquillement. Relâchez, soufflez. Sentez la détente peut-être dans votre nuque, dans vos épaules, dans vos trapèzes. Vous allez placer un doigt dans
dans le trou des oreilles, là, sans appuyer comme doucement, hein. On ferme les oreilles et on va inspirer. Et à l'expire, on va rentrer le menton. On bloque le souffle, on rentre le ventre. Inspirez, remontez doucement. Encore une fois, on ferme nos oreilles avec le bout des doigts. Relâchez. Chauffez bien vos mains. Placez vos mains sur vos oreilles. On inspire et on va rentrer encore à l'intérieur de soi. On se bouche les oreilles. Rentrez bien le menton. Respirez tranquillement, profondément. Relâchez doucement. On va faire un son maintenant avec nos oreilles, le son du tambour. Les sons graves, ça nourrit les reins. Et les oreilles, c'est lié à l'énergie des reins. Les reins, c'est la vitalité, c'est l'énergie vitale et c'est aussi le lieu des peurs. On pose, c'est aussi le chakra sacré et le plaisir de vivre. Tout ça, ça peut vous aider à réfléchir. Vous faites un petit bec de canard avec vos doigts et on va faire le bruit du tambour. On va faire toc toc, toc toc. Ou le battement du cœur, comme vous voulez. Et on fait l'autre côté. Soufflez, faites votre mise en pli. Soufflez bien. Détendez un petit peu vos épaules. Écoutez-vous respirer pendant quelques instants. Imaginez que vous inspirez profondément jusqu'au centre de votre cerveau. Vous bloquez l'inspire là. Et à l'expire, imaginez que vous envoyez le souffle qui sort par les oreilles et qui emporte tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous dérange. Inspirez jusqu'au centre de la tête. Expirez, envoyez le souffle, faites sortir tout ce qui doit sortir avec le souffle, l'expulsion. Encore. On est concentré sur les oreilles, ça sort par les oreilles. Faites sortir tout ce qui vous embête, tous les bruits qui vous gênent. Tous les dérèglements de la gorge, tous les mots que vous n'avez pas pu prononcer, faites-les sortir là, de cette façon-là, avec l'expire. Encore trois fois. Relâchez, soufflez. On termine avec juste un son. Mettez les mains comme vous voulez, comme ça, comme vous voulez, ce qui vous fait le moins de tension dans les épaules. Et on va faire vibrer le son ORL, le I, mais avec beaucoup de douceur. Inspirez. I.
Déglutissez. Faites un petit mouvement de tête de gauche à droite et de droite à gauche. Une grande inspiration et une grande expiration. Pour compléter cette petite pratique de 15 minutes, quand vous en avez la possibilité, faites une relaxation guidée, enfin une méditation guidée, anti-stress. Mais toutes mes méditations sont anti-stress, de manière à vous détendre le plus possible. Cela vous aidera aussi à guérir ou de votre pathologie de gorge ou de vos acouphènes. Ça vous aidera aussi à vous détendre, de lâcher les tensions. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt pour une nouvelle pratique. Au revoir.